gagné. Martin, encore, toujours dans les premiers. Toujours dans les premiers. Et voilà! Et voilà! Je mets l'écharpe, hein. C'est de rigueur là. Et Dean, salut frérot! Salut à tous, oh, il y a du monde là! Il y a du monde sur la corde à linge, comme il disait l'autre. Incroyable, quel match! Quel match! Quelle ambiance! Quelle ambiance! On les a baisés, ouais, c'est le mot. Oh là 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 là, comme j'aurais aimé être au stade. Bon, je pouvais pas, évidemment, dommage, mais franchement, quelle ambiance! Quelle ambiance de malade! De malade! Vous êtes déjà 70, rien que là, c'est la folie! Pouh, je pense qu'on mérite, on peut le dire, là, on mérite notre victoire quand même. Y a rien de volé là. Salutations à mon modérateur. Allez, l'OM Marseille. Raphaël, de son prénom. Salut à tous. Merci Marius, merci. Forza OM. Ouais, y a beaucoup, beaucoup de messages. Hein. On est déjà 136. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Là, on va envoyer les pieds ce soir. Non, on va essayer d'avoir la victoire modeste. Tu parles que dalle, ouais. On va la fêter, cette victoire. Elle est méritée. Pour tous ceux qui étaient dans mon avant-match hier soir sur Instagram, je disais que je ne voulais absolument pas une victoire sur un coup du sort ou sur une erreur d'arbitrage. Pour le coup, les gars, pour le coup, je pense qu'on a même plus été lésés qu'autre chose. Corner inexistant sur le but de Ramos, main de Hakimi en première mi-temps, des hors-jeux imaginaires sur Under. Tu me l'envoies sur Insta. Ouais. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, je te le mets. Ah, ça, c'est pour les haineux qui n'aiment pas l'OM, là, tu l'as, tu vois, là, tu vois, ça. Tu le vois, sur, en plus, tu la vois, petite étoile, là. Ouh, ça pique, elle pique, celle-là. Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau sur la chaîne, l'ensemble de tous les gens qui sont là, tous les abonnés, te souhaitent la bienvenue. Un match de bonhomme, un match de bonhomme, clairement. Oui, un arbitrage scandaleux, on peut le dire. Hein, on peut le dire. C'est dommage qu'il n'y ait pas le VAR ou la VAR, enfin, appelle ça comme tu veux. L'ISRAM à partir des quarts de finale. Allez, bon, déjà tout d'abord, bienvenue à tous et comme tu le sais d'habitude avec moi, on va mettre en avant l'ambiance au stade, on va mettre en avant les virages, virage sud, virage nord, gros tifo, grosse ambiance. Vous avez vu un peu les tifos avec la Coupe de France, celui du virage sud, vous avez vu un peu la qualité de ce tifo, mais tu la percutes la qualité de ce tifo, tu vois ça où ailleurs en France? Bon les gars, pour les virages, pour les groupes ultra des deux virages, envoyez un maximum de points levés, de flammes, tout ce que tu veux. Envoie des comme ça, envoie tout ce que tu veux. Bombarde-moi de messages pour féliciter nos ultras. Vas-y, je t'en prie, vas-y, j'observe. Voilà, envoyez, envoyez, envoyez pour les ultras, les gars. Envoyez. Meilleure ambiance de France, meilleure ambiance d'Europe. Il n'y a même pas à discuter. Il n'y a pas de débat. Là, tu ne peux pas ouvrir un débat. Voilà, envoyez les gars, envoyez. Bon, on est 153. Bonsoir à tous. Est-ce que, alors, est-ce que dans le chat, est-ce que dans le chat, il y avait des gens qui étaient au stade? Voilà, déjà, bon, c'est difficile parce que si tu es encore au stade ou que tu sors, je ne pense pas que tu sois là en direct, mais au cas où, est-ce qu'il y avait des gens dans le stade? Je sais que mon pote Francky Foot est, donc je le salue. Salut à toi, Francky Foot. Je ne pense pas hein, qu'il y avait des. Voilà. Bon, les gars. Ah, on a volé le PSG. Non, mais toi, tu vas voler en l'air. Toi, tu vas être trampoline direct. Allez, ça va dégager ça. Alors, il n'y avait pas Mbappé. Ouais, c'est vrai. Alors, il n'y avait pas Mbappé. Mais alors, je sais pas. Il vous manquait Mbappé. Il nous manquait Balerdi, Bailly, Tavares, Aminarit, qui est blessé. Ça va, t'as Neymar, mais. Une question, alors c'est peut-être moi, j'ai peut-être pas vu le match comme il faut. Il n'est pas rentré, Messi, il n'a pas joué. Attends, attends, un instant. On me dit dans l'oreillette que Messi a joué, mais que Gigot l'a mis à l'amende avec une laisse. Ah, autant pour moi, je n'avais pas fait attention. Mais les gars, quel match de bonhomme! Quel match de bonhomme! Des pressings hauts, de la récupération haute.
J'ai été impressionné. Je ne sais pas vous, moi, j'ai été clairement impressionné. Alors, la compo, tout de suite. Allez, on attaque par la compo. pardon. Paolo Lopez dans les buts. Paolo Lopez, bon, sur le corner, sur le corner imaginaire. Hein, bon, la tête, elle est puissante de Ramos, il ne peut pas faire grand-chose. Sur la fin du match, Paolo Lopez, on va parler de deux petites choses vite fait, là. Oh, Paolo Lopez. Avant que j'oublie, j'ai une dédicace à faire pour un minot de 11 ans, Antoine, qui est attaquant dans son club. Big up à toi, minot. Je te souhaite une belle carrière footballistique, mais un maximum de buts. Paolo Lopez, sur le but refusé pour hors-jeu de Ramos, là. Qu'est-ce que tu fais? Mais où tu es? C'est quoi ce positionnement? Moi, je suis... Enfin, ça me choque parce que j'étais gardien. Tu dois rester sur ta ligne, là. Ça se passe dans ta surface. Un gardien est plus efficace en avançant qu'en reculant. Heureusement qu'il est hors jeu parce que ton placement est dégueulasse. Et après, il fait un dégagement pourri qui rebondit sur un Parisien. Paulo Lopez, à la fin, attention! Attention! Ensuite, la défense, c'était donc Mbemba, qui a été costaud encore ce soir. Hein. Il a un peu pêché avec Nuno Mendes. Il avait Nuno Mendes de son côté, c'était compliqué quand même, mais il a quand même assuré. Il y avait Gigot qui a tenu en laisse Lionel Messi, qui a un petit peu recadré Neymar. Et il y avait donc j'oublie. Tellement je suis dans le Mbemba, Gigot et Kolasinac. C'est ça, tu me reprends, c'est ça, c'était Kolasinac. Bon, c'était bien. Alors, Rongier, qu'est-ce que je raconte? Kolasinac, tu comprends quoi? J'ai pas l'habitude. Kolasinac, c'était bien, c'était Rongier en libéraux. Oh là là, le match de Rongier en libéraux. Oh, j'en perds la casquette. Oh, je l'ai jeté et tout. Ah, j'ai pas les mots là. J'ai pas les mots, Fada. Je vais la mettre comme ça, tiens, regarde. Hop, rien à foutre. Comme quand j'allais en virage, c'était comme ça. Voilà, tac, sur les oreilles quand il fait froid. Voilà, j'en ai rien à foutre. Faudra que je ramasse ma casquette quand même, elle est collector celle-là. Rongier libéraux. Rongier propre, Rongier dans les petits espaces, Rongier qui, hop, qui dribble, Rongier qui la donne. En fait, Rongier ce soir, c'était des épisodes de Martine. Rongier dresse Neymar, Rongier coupe Messi, Rongier fait des longues passes. C'était en 17 tomes ce soir, Rongier. Il y en avait partout, dit Rongier. Ensuite, les latéraux, c'était Kolasinac qui a calmé Hakimi quelquefois. Hein. Kolasinac, encore gros match encore de Kolasinac. Il est sorti à la 70e. Bon, quand Kabouré est rentré, je n'étais pas serein, les gars. Là, je te le dis, quand Kabouré est rentré, c'était compliqué. Mais Kolasinac, gros match. De l'autre côté, c'était Klos. Klos était pas mal. Beaucoup d'apports offensifs, énormément. Des frappes, il a tenté et tout. Bon, c'était bien. Il y a une frappe en fin de première mi-temps où il peut encore s'avancer un petit peu plus dans la surface. Mais il aurait fait un peu ce qu'a fait Amalfitano il y a 10 ans, je te rappelle, à partir comme ça. Oh, bien, bien, très bien. Surtout Kolasinac, il a une justesse technique quand même, hein, quelques fois notamment en première mi-temps. Hein. On est 183, c'est énorme. Ensuite, les milieux récupérateurs, ben, c'était Veretout et Guendouzi. Gros match des deux. Très, très gros match, hein, Guendouzi. Alors, Guendouzi, le truc de Guendouzi, c'est bon, il court partout. Bon, il commet quelques fautes, mais monstrueux. Il était de partout. Veretout. Récupération plus propre, hein, plus juste dans ses passes, tu vois, notamment dans les petits espaces aussi, parce qu'on a été vraiment très juste, hein, techniquement. Et enfin, devant, les trois joueurs offensifs, c'était Under, Malinowski et Sanchez. Alors, Under, très gros match d'Under, je ne lui enlève pas, mais beaucoup de déchets, énormément de déchets techniques d'Under. Par contre, il était partout. Le type, je crois que j'ai vu ses stats, il a couru 147 km. Non, j'exagère pas, je ne suis pas Marseillais. Il a couru. Mais c'est énorme tout ce qu'il a couru. Il a récupéré des ballons partout. Et il a une action en fin de première mi-temps aussi avant que Paris égalise. Tu la vois, cette occasion où il part en profondeur, qui revient sur son pied, il frappe et c'est sorti par Donnarumma. Il a fait un très gros match, Under. Il n'y a pas de problème. Mais je te dis, il y a un poil de déchets techniques des fois. Malinowski. Oh, Malinowski. L'efficacité. Voilà, c'est ce que je disais avec mon pote Sylvain par téléphone. L'efficacité sur ses frappes. À chaque fois qu'il frappe, lui. Ça fait presque mouche. Hein. Voilà, pour le coup, ça fait mouche, mais c'est très souvent, de toute façon, c'est cadré à chaque fois. Et là, la frappe, elle est nickel. Il y a une récupération sur le couloir droit, c'est Mbemba qui rentre dans la surface. Je crois qu'il a donné à Sanchez qui essaye de revenir un peu sur son pied droit, de frapper. Ça rebondit, Malinowski sans contrôle, sans pression, sans rien du tout. Bababoum!
Oh, j'étais sur mon canapé comme ça. Il y a tout qu'à bouger chez moi. Il y a tout qu'à bouger. Oh, ce but. Oh, le stade, il a explosé sur le but de Malinowski. Bravo, garçon. Bien, bien intégré. Bravo à toi. Et très bon match. Autant les deux premiers matchs, Malinowski, je dis, oh, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas top. Là, il était partout. Justesse technique aussi de l'Ukrainien. Bravo, bravo. Bien joué. Et Sanchez. Alors, Sanchez, franchement, Sanchez. Si demain je retourne Navas que je suis homosexuel, je pense que j'envoie des messages à Sanchez pour le pécho. Ah, je te le dis, à dire que je vais pécho Sanchez. Ah, c'est obligé. C'est le premier sur la liste. Si demain je change de profil, allô Sanchez, tu fais quoi? Tu viens, on va se boire un coup. C'est pour moi, je le chauffe en date. J'en ai rien à foutre. Non, monstrueux Sanchez. 30, combien? 35 ans, 30, monstrueux. C'est. Ah, il m'a régalé. Ah, Sanchez. Oh là là. Il a donné une leçon tactique de football au Neymar, au Messi, à qui tu veux, quoi. À qui tu veux. Sanchez, lui met 12 sur 10, quoi. Monstrueux ce joueur. Oh, la classe internationale. Donc, il y a eu des changements. Unai est rentré à la place de Under, je crois, et il y a eu la rentrée de Vitinha à la place de Sanchez. Malinowski, lui, a joué tous les matchs. Bon, c'est dommage, Payet n'est pas rentré. J'aurais aimé voir Payet juste les 2-3 dernières minutes, tu vois, à la place de Malinowski. Voilà, il aurait pu jouer 2-3 minutes, histoire qu'il participe aussi, puis pour tenir un peu le ballon, quoi, parce que Paris, les dernières minutes, ils ont poussé. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que Vitinha ne faisait pas assez le pressing. Sur les défenseurs, sur la première relance parisienne, il faisait pas assez le pressing. Bon, les gars, gros match, quoi. J'ai pas les statistiques hein, sous les yeux. Je sais qu'on a dominé, surtout la première mi-temps. Le nombre de frappes, j'ai pas. Si quelqu'un peut me le trouver, le nombre de frappes, le nombre de tirs cadrés. Mais bravo à Igor Tudor. Bravo au groupe. Déjà, bravo aux supporters. Déjà, le coaching. Et l'intensité mise dans ce match, on en avait parlé avec OP du FGS, le youtubeur parisien que je salue, on en avait parlé dans l'avant-match d'hier soir. 15 tirs, 8 tirs cadrés, merci Junior. Hier dans le live, ça va se jouer sur les duels gagnés et l'intensité. Bon, Marseille a gagné, je pense, hein, si je dis pas de bêtises, au moins 65% des duels. Je te laisserai vérifier dans les stats, je ne les ai pas, c'est ce que j'estime. Hein. Je pense qu'ils ont au moins gagné presque les deux tiers des duels, quoi. Franchement. On mérite, franchement, on mérite cette victoire. Merci le penalty. Ben merci. Alors, je sais pas si tu dis merci le penalty qu'on n'a pas eu parce qu'on mérite un penalty en début de match sur une main d'Hakimi, mais il n'y a pas corner non plus sur le but de Paris. Donc tu vois, voilà quoi. C'est donnant-donnant quoi. Franchement, les gars, en gagnant ce soir Paris. Comment dire, on est clairement les favoris de cette Coupe de France. Je ne cautionnerai pas là qu'on la gagne pas. Sans manquer de respect aux autres équipes, il reste quand même Lyon, il reste quand même sûrement Lens qui va peut-être jouer, enfin battre Lorient demain. Si tu fais le même match en quart de finale, en demi-finale et en finale, tu fais les mêmes matchs que tu as fait comme ce soir contre Paris. Sans manquer de respect aux autres équipes, tu tapes tout le monde là. On est en quart de finale, il reste donc 8 équipes, 7 hormis l'OM. Tu fais ce même match-là, hein, la même intensité et tout, tu tapes tout le monde. Clair et net, hein, je ne vois pas une équipe, parce que là c'était quand même le PSG, quoi, je ne vois pas une équipe faire mieux que Paris au niveau de. Enfin voilà, et là nous avons Amadou, le deuxième modérateur. Salut à toi, beau gosse. Et le troisième modérateur que j'ai sur ma chaîne, c'est Tanguy, mais il est au stade. Il était au stade, donc c'est pour ça, on le salue, on peut lui passer le bonjour, un big up à Tanguy. Voilà, qui était au stade, lui, il m'a envoyé deux, trois extraits vidéo depuis les tribunes, depuis les virages. Ça devait être le feu. Ça devait être le feu, quoi. Enfin. Alors Marius qui me demande, tu penses que Paris peut rechuter fin février au Vélodrome? Est-ce que ça sera le même match? Parce que là, est-ce que les joueurs de l'OM ont vraiment pas, alors, pas surjoué parce que techniquement ils ont des capacités, mais est-ce qu'ils n'ont pas voilà mis tout, on va dire tout mis sur ce match-là pour se dire c'est la coupe? Est-ce qu'il y aura la même intensité
le 26. Bon, nous, on récupérera d'ici là Balerdi. Pardon. Pardon. On récupérera Balerdi, Bailly, Tavares. Normalement, le groupe il sera complet chez nous. Et eux, ils récupéreront Mbappé. Je pense qu'il y aura une revanche de la part des Parisiens qui voudront venir, voilà, entre guillemets, se venger, quoi. Il faut savoir qu'en Coupe de France, la dernière victoire de l'OM contre le PSG remonte dans les années 90-91. En Coupe de France, hein. Et il me semble que c'était peut-être même chez eux. Donc ça veut dire que c'est la première fois que l'OM bat le PSG en Coupe de France au Vélodrome. T'imagines un petit peu, quoi. Ça faisait tellement de temps qu'on n'avait pas gagné Paris chez nous. Bon, là, c'est en coupe, hein, pas en championnat, mais en coupe, c'était jamais arrivé. Mais là, au moins, oui, le tacle de Ekitike, c'est minimum jaune-orangé, quoi. Hein, je trouve que. Autant l'arbitre a souvent laissé jouer, et ça, c'est bien. Le Texier a souvent laissé jouer, parce que, voilà, les contacts et tout, à un moment donné, voilà, il a vu qu'il y avait. C'était un match à intensité, il a laissé jouer. C'était pas mal. Mais bon, il y a eu des fautes où ça méritait un jaune aussi, hein, côté parisien. On est 236, je tiens à vous féliciter. S'il y a donc des nouveaux sur la chaîne, tu le sais, ici on respecte tout le monde et les nouveaux sont toujours le bienvenu. D'ailleurs, je vais demander à mes abonnés de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux, quoi. S'il y a des nouveaux, voilà, les abonnés souhaitent toujours la bienvenue ici. Que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe, hein, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, ça se passe toujours comme ça ici. Et si tu es respectueux en commentaire, eh bien, tu es le bienvenu. Si tu commences à partir en cacahuète, ici c'est trampoline, c'est-à-dire tu sautes. Hein, on te vire, tu as compris, quoi. Voilà, quoi. Ah, je lis un petit peu vos commentaires. Tu n'étais pas au stade, non, non. Puis allez. Oui, il y a deux hors-jeux inexistants, hein. Et notamment le deuxième, quand il envoie Under en profondeur, putain, là, l'arbitre de touche, il est pas bon. Il est pas bon, quoi, parce que il est 1 mètre derrière Under quand même. C'est fou de siffler un hors-jeu alors que. Pff, tu vois, c'est le problème c'est le problème de pas voir, quoi. Là c'était un hors-jeu, mais complètement. Hein. Il se tenait pas, c'était pas genre, il était à côté, genre, il était derrière au moment de la passe, il était clairement derrière, quoi. Enfin voilà. Donc les gars, on est en quart de finale. Le tirage, c'est demain. Demain, est-ce que vous avez une préférence? Moi aussi, je t'aime, James. Est-ce que vous avez une préférence au quart de finale? Est-ce que vous voulez préférer prendre une petite équipe? Quand je dis petite, c'est sans manquer de respect, une équipe plus modeste. Allez, on va dire une équipe plus modeste. Est-ce que vous voulez prendre Lyon? Est-ce que vous voulez prendre. Je ne sais plus qui reste exactement. Est-ce que quelqu'un peut me mettre la liste des équipes? Et après, je sais qu'il y a le dernier match, Lorient Lens. Est-ce que quelqu'un peut me sortir les. Là, il y a Rodez aussi. Rodez qui a sorti Monaco quand même. Hein. Un OM Lyon. Ouais, un OM Lyon. Pourquoi pas, ouais. Au Vélodrome, en quart de finale, comme en 2000. Ce fameux match où on gagne 2-1 avec un but de Pagis. C'était en 2006, je crois, 2005 ou 2006, c'était monstrueux ce quart de finale. Le stade aussi, il était bouillonnant parce que c'était la grosse, grosse équipe de Lyon. Hein. Je crois que c'était en 2006. Alors, on a quoi comme équipe? On a Rodez, on aura Lyon, il y aura quoi d'autre? Pagis et Niang de la tête, exactement. Ouais. Grenoble, Toulouse, Annecy, Nantes, bah voilà, il y a déjà tout. Bon. En quart de finale, en fait, n'importe qui, mais à choisir au Vélodrome, pour avoir ce soutien du public, à choisir au Vélodrome. Lyon, Nantes, même Lens, tu vois, enfin Annecy, ce que tu veux. Mais voilà, quoi. Si on fait la même prestation que là ce soir, je te dis la vérité, la même prestation, la même intensité, tu peux mettre qui tu veux, hein, en quart de finale, il n'y a aucun problème. Ah, Sanchez, c'est masterclass, mais un niveau incroyable, quoi. Incroyable. Je profite pour vous parler de mon partenaire, tant qu'à faire, hein, vous êtes nombreux, de mon partenaire en Chine, myogo.com. J'ai demandé à mon modérateur, à un de mes modérateurs, de vous mettre le lien du site, myogo.com. C'est un site qui propose des copies de maillots, comme tu peux voir celui que j'ai sur moi. Alors, ça, c'est enfin, des maillots comme tu vois là, hein. Comme tu vois ici, les maillots d'équipe nationale vintage, OM vintage, maillot
93, maillot 91, mais aussi les maillots récents. Ça, c'est les polos, voilà, les t-shirts, les maillots d'entraînement. La qualité, elle est impeccable. Hein, les mêmes qualités magasin pour pas, voilà, produire les choses. Avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction. Donc, un maillot coûte 30 euros. Donc, tu auras 15% sur le maillot. Et en plus, lui, il me reverse 5% de ton panier, de ta commande, que moi, je reverse aux deux associations avec qui je collabore à Marseille, c'est-à-dire Les Petites Sœurs des Pauvres, qui est un EHPAD, et Sourire à la Vie, c'est une association pour les enfants atteints de cancer. Donc, chaque année, depuis 2 ans, je reverse 1 000, 1 500 euros. J'espère que cette année, on va faire plus, quoi. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, sache-le, ici, on reverse pour des assos. Et on a un don. Tom Malandin, je ne sais pas si tu en as parlé, mais on gagne avec des belles erreurs d'arbitrage. Oui, j'en ai parlé justement, Tom. Et merci pour ton don de 5 euros. Alors, pareil, sachez-le ici sur cette chaîne, tous les dons, la totalité des dons sont reversés aussi aux deux associations. Donc, les Petites Sœurs des Pauvres, c'est donc un EHPAD à Marseille tenu par des bonnes sœurs. Et Sourire à la Vie, donc c'est une association qui s'occupe des enfants atteints de cancer à Marseille aussi. Depuis 2 ans. Chaque année au mois de juin, donc je fais pour pas y aller tous les mois, quoi, hein, pour voilà, pas donner à chaque fois 120 euros, 150 euros, hop, une seule fois. La première année, il y a eu 1 000 euros, vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne. La deuxième année, j'ai fait un versement, hein, il y a eu 1 500 euros, donc répartis sur les deux. Mais c'est carré, vous pouvez les contacter, le savent, vous dites Steve, le youtubeur de l'OM, voilà, hein, il n'y a aucun souci, ils sont au courant. Et donc au mois de juin, voilà, donc la cagnotte, là, ce que j'ai eu par exemple, 5 euros, à la fin du live, je vois en haut, il y a le montant, je marque sur un bout de papier, et ben, moi, Google va me faire le virement à la fin du mois, mais moi, j'anticipe, je prends moi sur mon compte perso, et je mets dans la cagnotte que j'ai un compte où je mets les cagnottes pour les deux assos, quoi, voilà. C'est carré, c'est transparent, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, malheureusement, le truc avec Google, c'est que sur les 5 euros, il me semble qu'il y a une grosse part qui est prise par Google. Donc, c'est sûrement, on m'a dit 40%. J'ai jamais trop su, en fait, jamais réussi à trop savoir. Mais voilà, quand il y a 5 euros, je me casse pas la tête à calculer. Je ne verse pas 3 euros. Je prends les 5 euros et je les mets dans la cagnotte, voilà, direct. Les délais de livraison de maillot Go, il faut compter entre 3 et 4 semaines. Pour les tailles, si tu fais du L en France, tu prends du L là-bas. C'est simple, ça taille comme ici. Simple. Voilà. Alors, 2-3 semaines, c'est plus 3-4 semaines. Hein. Voilà, pour ne pas vous affoler, quoi. Voilà, donc si vous passez par maillot Go, ben, vous faites plaisir. Il y a des maillots, je te dis, de tout club, toute nation, même vintage. Et en plus, vous contribuez à deux associations. Voilà. D'ailleurs, fin février, je pense que je vais relancer la gamme. Pareil, depuis 2 ans, il y a la gamme de vêtements Supporter of Marseille. Donc, pour ceux qui connaissent, hein, bon, si tu ne connais pas, voilà, j'ai une gamme de vêtements, des polos, des sweats, des casquettes, voilà, quelques accessoires. Et depuis 2 ans, je reversais 20% donc, du chiffre d'affaires de ces ventes-là. Cette année, c'est simple, tu l'as en exclu là. Cette année, c'est simple, ça va être 100%. 100% des bénéfices, puisque bon, il y a les coûts de fabrication quand même. Je paye le fournisseur, je paye les frais d'envoi. Une fois que tout ça est payé, 100% des bénéfices, je ne vais rien me mettre dans la poche, partiront pour les associations. Les 2 premières années où on avait fait des ventes de mes vêtements, de mes produits Supporters of Marseille, je reversais 20% des bénéfices, pas du chiffre d'affaires, pardon, des bénéfices. Et il me restait peut-être 10-15% pour moi. Hein, parce qu'après, je te dis le coût de fabrication, les frais d'envoi, etc., etc. Là, cette année, j'ai décidé de tout donner. Voilà. Je préfère. On a un don de SLVN Farouille, 2 euros. Merci beaucoup à toi. Merci pour ton don. Qui sera donc cagnoté aussi avec les autres. Voilà. Eh ben, je vais lire un peu vos commentaires. On a été à un moment plus de 200, là on est 187, c'est énorme. Bon, c'est peut-être parce que c'est le soir du classico aussi. Bah, les Parisiens, oui, je vois, ils vont être déçus, mais s'ils sont objectifs, si vraiment ils sont objectifs, on n'a pas volé notre victoire, les gars. Que ce soit dans le jeu, il n'y a pas eu de faute d'arbitrage en notre faveur.
Je pense que les gars, cette victoire, un Parisien qui connaît le ballon qui est objectif, il va dire oui, c'est mérité pour vous. Voilà, il va le dire. Mais par contre, ça, je pense que ça va gronder du côté du PSG. Au niveau des supporters, au niveau des joueurs, ça va gronder parce que nous, on a fait un très, très, très bon match, mais certains joueurs de Paris ont fait un non-match et ils sont pas dans une bonne dynamique avant leur confrontation contre le Bayern. Hein. Alors, on a un autre don, encore de Tom. Hein, c'est bien toi qui as donné tout à l'heure. Neymar, bien fait. Oui, 2 euros. Encore merci à toi. Le modérateur, Steve, j'ai enregistré le live d'hier soir en privé sur YouTube. Tu veux que je le mette sur YouTube en public? Écoute, mets-le. Mets-le si tu veux, je te le laisse gérer. Hein, tu le mets, il n'y a pas de problème. Tu précises que c'est pas ma chaîne, par contre. Hein, voilà, que là où tu le mets, c'est pas ma chaîne. Mais voilà, quoi. Tu peux. Il n'y a pas de problème. J'ai pas su le faire. Hein. C'était un live que j'avais fait sur Instagram. J'ai pas su l'extraire, l'enregistrer. Je comprends pas pour le rebasculer sur YouTube. Bon, tu sais, moi, les réseaux sociaux, je maîtrise à mon petit niveau, quoi. Hein. Je sais faire un live comme ça, je sais répondre, mais les trucs un peu plus techniques, il faudrait que je m'y penche. Ouais. Je ne suis pas plus idiot qu'un autre, je saurais faire, mais voilà, quoi. Ah, Rongier, équipe de France, bien sûr, quand tu vois le match qu'il fait, le mec, il a joué libéro. On aurait dit qu'il avait joué tout le temps comme ça, c'était son poste, le mec, il a même pris des ballons de la tête. Il n'est pas spécialement grand, hein, Rongier, mais il a pris des ballons de la tête. Les sorties, elles sont propres. Ce joueur, c'est impressionnant l'évolution qu'il a. Aujourd'hui, tu as une offre pour Rongier. Pour moi, ça part pas en dessous de 50 millions d'euros. J'exagère même pas. Demain, il y a un club qui arrive, te dit, combien pour Valentin? Eh ben 50 millions d'euros, ma gueule. Ah, j'ai que 25. Eh ben va niquer ta mère. Mais tu y réponds, mais avec la plus grande des courtoisies, hein, comme ça, tu vois. Il n'y a pas de problème. Tu mets le double. À 25, chez nous, tu peux avoir un balerdi si tu veux. Je te peux te sortir un balerdi à 25. C'est comme ça qu'il faut négocier. Comme ça et pas autrement. Simple. Ah ben là, il reste quart de finale, demi-finale. Avant d'aller en. Pardon. Je m'ai été joué. C'est du direct. Hein. Avant d'aller en finale, ouais, là, non, on est obligé d'aller la chercher là. N'Golo Rongier, bien joué ça. On est obligé d'aller la chercher cette année. Là, ça serait frustrant d'avoir éliminé le plus gros morceau, quoi, le PSG, avec un match avec autant d'intensité et de ne pas aller la chercher. Là, ça serait pas normal. Ah oui, Ralph, il y a eu pas mal de Parisiens qui sont venus à l'OM. Après, il y a eu des Marseillais qui sont allés à Paris aussi. Hein. Les Luxin, les Dalmat, il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu d'autres. Allez, tiens, pour vous. Enfin, question pour vous, les gens dans le chat, les abonnés, enfin. Tous les participants, vous me marquez qui pour vous l'homme du match. Bon, forcément à Marseille, je pense pas que tu vas me sortir un joueur de Paris. Pour vous l'homme du match, moi je mets Sanchez, Alexis Sanchez. Mais je veux pas influencer votre choix, hein, bien sûr. Tu me mets l'homme du match, voilà, qui t'a préféré. Et Ender aussi, c'est vrai. Mais je mets Sanchez quand même. Ouais, Rongier. Hein. Ouais, je pense que c'est les noms qui vont sortir le plus. Hein. Rongier, Ender, Sanchez. Mais c'est bien de voir un peu l'avis de chacun. Ouais, c'est Sanchez ou Rongier, hein, mais beaucoup Sanchez. Sanchez, il a fait vraiment un match incroyable. Incroyable. Il a donné une leçon de football à Neymar et Messi, mais après, forcément, que sur la durée de la carrière, Neymar et Messi sont meilleurs que Sanchez. C'est sûr. Mais là, ce soir-là, il leur a montré du haut de ses 30, 30 et quelques, 35 ans, je crois, pour ce qu'il a fait, c'est énorme. C'est énorme. Gigot aussi. Gigot, très gros match aussi. Vous avez vu sur le réflexe qu'il a eu, Gigot, sur le but de Ramos, il a sorti le ballon de la main, du genre perdu pour perdu, tant pis, je prends un rouge, mais c'est pas mal ce qu'il a voulu faire. Bon, heureusement qu'il est hors jeu, je te dis, mais. Oui, je baille, coup de fatigue. Ouais, quel arrêt de Gigot. Rongier, Sanchez. Ah, je vais bien dormir, hein, je vais me coucher, je pense que je vais.
Ouais, j'ai eu une journée, pour ceux qui m'ont suivi sur Insta, ce matin, je m'étais bien habillé, un peu chic, tu vois. Ça change un peu. Après, l'après-midi, en tenue OM, toujours au sport, hein, quand je vais au sport, de toute façon, je suis toujours en tenue OM. Ouais, donc, j'ai eu une journée, voilà, dynamique. Ouais, Alexis Sanchez a joué, ouais, avec Messi, Neymar au Barça, quand même. Hein. Donc, en plus, il était plus jeune et il devait être beaucoup plus fougueux, beaucoup plus. Mais je sais pas s'il a beaucoup joué, s'il n'était pas remplaçant. C'était pas évident à cette époque de s'imposer au Barça. Et Caboret, ouais, ça va, j'avais peur quand il est rentré. Il n'a pas fait de grosses connes, enfin, de bourdes, tu sais, de ouais, propre, enfin propre. Ouais, il s'est tenu à prendre son couloir et essayer de porter le ballon. Et ça va, franchement, ça va. J'ai même cru qu'il aurait fait rentrer Caboret sur son bon couloir, le côté droit, et qu'il mette Clauss, qui a plus l'habitude, côté gauche, tu vois. Mais bon, il a laissé comme ça, c'était très bien. Alors si en plus le 26, on les retape, alors là, c'est... Bah, ce soir, il n'a pas été nul, disons Nico. On ne peut pas dire qu'il a été nul, quoi. Il a fait sa part. Ben, j'espère qu'on soit champion de France. Hein. J'espère déjà qu'on ramène une coupe. Si on ramène une coupe, franchement, déjà, ça fait un trophée. Puis la Coupe de France, moi, je te dis, la dernière que j'ai vue, j'avais 7 ans. 89. Après, j'ai vu que des finales perdues, quoi. Marseille, bien sûr, capitale du foot, bien sûr. Bien sûr, les gars. Voilà, écoutez, bon, on est quand même 182, 182 sur le live. Je remercie encore tout le monde. Merci à tous les participants. Merci aux modérateurs. Je pense qu'on a fait le tour, hein, ça y est, on a parlé de l'ambiance, de la compo, du jeu. Est-ce qu'il y a des... Sujet, je vais le dire un peu, est-ce qu'il y a des sujets du match ou hors match que vous voulez aborder éventuellement? Je verrai si on développe ou pas. Oui, Lyon est chaud, hein, ils sont passés au pénalty. Hein. Mais pour le match, je pense qu'on a fait le tour, quoi. Ah putain, essayez de retrouver l'image au ralenti. Je vous invite à revoir l'image. Enfin, au ralenti, ouais. Extrait, quoi. Quand Malinowski marque, c'est filmé sur Galtier. Et il a une réaction, on dirait qu'il est content, il fait comme ça. En fait, ça le fait chier, tu vois. Mais t'as vu, ouais, il a célébré. Ma parole, Galtier, il a fait comme ça. Il a fait genre, personne ne me regarde, il fait comme ça. Il a regardé Tudor, il a dit, GG, frérot. Oh. Comment? Je suis filmé? Non. Oh. Excellent, on se régale. On se régale. Donc voilà, les gars, si vous avez des sujets, si vous avez des questions, profitez, j'essaye de lire et de répondre, hein. Merci pour Tic Tac, merci pour ton message. Mais psychologiquement, il faut les achever maintenant, bien sûr. Le 26, faut les taper le 26, bien sûr. J'ai vu le tremblement de terre, ouais. En Turquie, en Syrie, malheureusement pour eux, ouais, c'est moche. C'est vraiment. Oui, il y aura une réaction d'orgueil hein, le 26, attention. Hein. Ah, ça a coupé, désolé. Je suis d'autres championnats. Non, non, je suis que la Ligue 1. De temps en temps, je regarde les résultats vite fait, mais très vite fait des autres championnats pour voir qui est actuellement en tête du classement. Mais je suis pas à fond comme je l'ai été il y a plus de 5 ans ou 10 ans où je regardais un peu tout. Là, la vie de famille, les enfants et tout, le travail. J'ai pas le temps. Honnêtement, j'ai pas le temps. Le sport à côté, les activités. D'ailleurs, je suis assez étonné des fois. Je me demande, c'est pas une critique, hein, c'est vraiment pas une critique. C'est même, je suis surpris, comment font certains YouTubeurs qui ont un boulot à côté, qui vivent pas que de YouTube, mais qui sont sur YouTube, qui sont sur Snap, qui sont sur Twitch, qui sont sur Instagram. Qui font des vidéos presque pas loin de tous les jours, je dis bien pas loin de tous les jours, qui ont leur vie de famille, je ne sais pas comment ils font.
Ce n'est pas une reproche, hein. Ce n'est pas pour dire attaquer, pour les attaquer en disant ouais, vous vous occupez pas de. Je sais pas. Moi, je trouve pas le temps, quoi. Honnêtement, je trouve pas le temps. Ah, attends, je vais ramasser ma casquette, je l'ai jetée quand même, c'est pas bien. J'y ai pensé tout à l'heure. Je reviens. Ah, cette casquette, elle est topissime. Et je vais même la mettre laver. Hop là. Elle est chouette là. Elle est très jolie et très bonne qualité. C'est un gars qui me l'a fait lui. Un artiste, hein, en peinture et tout, tout ce que tu veux, quoi. Alors, y a Nice, l'immigré parisien et Rafootball, eux, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est leur activité principale. YouTubeurs, ils vivent de ça, si je dis pas de bêtises. Hein. Je sais que Raf, oui. Je pense que Yanis aussi. D'ailleurs, s'il voit ce message, je le salue. Parce qu'il n'y a pas de, voilà, pas d'animosité, c'est un youtubeur parisien, mais voilà, il n'y a pas de problème. Mais si je dis pas de bêtises, je crois qu'il, voilà, c'est son métier, lui, il vit de ça, quoi. Moi, je parle de ceux qui ont un travail déjà à côté et qui ont, voilà, qui vivent pas de YouTube, qui ont déjà un boulot et tout. Des fois, je me dis, tiens, comment ils font les mecs? Moi, j'ai pas le temps, quoi. C'est sûr que le match le 26 en championnat, ben maintenant ils savent à quoi ils vont s'attendre. Hein, maintenant, le PSG, ils savent qu'on joue haut, qu'on presse haut, qu'on est dur sur l'homme. Ils vont nous donner le change. Hein. Je pense que Galtier, c'est pas, il n'est pas idiot non plus, il va réajuster. Puis il y aura Mbappé. Psychologiquement, je dis bien les gars, psychologiquement, quand tu sais que tu as Mbappé, quand tu es défenseur Mbemba, Gigot ou Balerdi ou Bailly, que tu sais que tu as Mbappé. Tu défends plus pareil. Tu te dis, il faut absolument pas qu'il ait un ballon. Surtout en profondeur, parce qu'en vitesse, il les prend. Je sais que Balerdi a une très belle accélération, grosse vitesse, Mbemba aussi. Mais sur 50 mètres, Mbappé, je pense qu'il les passe, quoi. Tu vois, il les prend. Donc, c'est plus pareil. Tu as une autre appréhension, là. Tu as un joueur de classe high level mondial, il faut le dire quand même, hein, Mbappé. Donc, ça sera pour moi un tout autre match, hein. Salut à Toulon. Enfin, je salue pas le club de Toulon, je salue Ludovic qui vient de Toulon, attention, hein. Parce que le club de Toulon, ils étaient proches du PSG, donc non, non, le club de Toulon, rien à foutre. Ouais, à partir des quarts de finale, est-ce que c'est une question de budget, de dire voilà, en Coupe de France, on ne peut pas investir? Bon, je trouve ça un peu idiot, mais bon, voilà quoi. Voilà les gars. Ah, mais pour ceux qui n'étaient pas là en live hier sur Instagram, j'ai fait une petite parenthèse, donc sachez-le. Au moins vous êtes au courant et je vous spoil un peu le truc, mais vous savez que je suis transparent. J'ai eu un échange de messages avec Monsieur Vézirian, donc Monsieur Thibaut Vézirian. Donc j'ai tous les messages. Hein. Où j'ai juste, c'est moi, hein, j'avoue, j'ai tendu une perche, j'ai envoyé un message, j'ai dit voilà, ça fait 2 ans, j'ai mis une capture d'écran de son image YouTube où il y a 2 ans il annonçait la vente de l'OM, tu sais, cette fameuse vidéo. J'ai dit bon, ça fait 2 ans, ils en sont où les Saoudiens, où est le communiqué? Bon, le gars, apparemment, à partir du moment où tu penses pas comme lui, c'est des insultes. C'est direct des insultes, pas des grosses insultes du genre FDP ou quoi, mais t'es un abruti, t'es un nana. J'ai essayé de lui poser des questions parce que j'ai pas de réponse. Il me dit, ben, t'as qu'à suivre mon enquête et mes vidéos. Écoute, gros, je ne vais pas m'amuser à regarder toutes tes vidéos. Je te pose une question simple. Je lui ai dit, où sont les Saoudiens? Ils sont déjà là, mais ce n'est pas le bon moment pour officialiser. Bon, ça fait 2 ans. Soi-disant, il fallait attendre la fin de la saison. Après, il fallait attendre le mercato. Après, c'était les élections présidentielles. Après, il y a eu la chandeleur. Après, il y a eu la nouvelle saison de Oui-Oui. Bon, Thibaut,
Donne-moi un Thibaut, deux Thibauts, bon, ça suffit là, ça suffit. C'est quand le bon moment? Je lui ai dit, en plus, il y a quelques mois, je t'avais déjà parlé, je t'avais demandé, on parlait du transfert de Gerson, j'ai fait, mais il y a toujours McCourt. Il me dit, ah, mais McCourt n'a fait que parader, on ne le reverra plus. Ben, on le revoit toujours, hein, McCourt, hein, il est toujours là, quoi, hein, j'ai envie de te dire. Donc, j'ai demandé aussi où était DP World, le fameux sponsor de l'OM. Alors, il m'a dit, ouais, j'ai pas dit que c'était un sponsor maillot. D'accord, mais alors, tu le mets où? Si c'est pas un sponsor maillot qui va te donner, comme tu l'as annoncé, 80 millions d'euros par an. C'est pour être où alors? Ils sont où, DP World? On a Cazou. Alors, je sais que certains vont dire, ouais, mais l'année prochaine, on passe à CMA, CGM. D'accord, mais c'est pas pareil. La CMA, CGM, c'est une chose, DP World, c'est une autre chose. J'ai essayé d'expliquer à Vézirien que DP World sont sur le port de Fos-Marseille depuis 2019, voire peut-être même avant, et que lui, il a annoncé en 2021 qu'ils allaient s'implanter. J'ai dit, non, ils y sont depuis 2 ans. J'ai essayé de lui faire comprendre ça. Bon, le gars, en fait, quand tu lui mets un peu la tête dans la réalité, parce que je pense qu'il est vraiment perché et imbu, eh bien, de suite, il devient agressif. Il devient agressif, c'est ouf. En fait, tant que tu ne le suis pas, tant que tu ne le suces pas, il est tellement habitué à ce que peut-être les gens le sucent, eh bien, il est agressif. Et en fait, il n'a pas de... J'ai toute la conversation, hein, parce que je vais faire forcément une vidéo pour afficher ça, parce que tu ne peux pas m'insulter comme ça, hein, et te dire journaliste, quoi. Il m'a dit, tu respectes pas mon travail, tu respectes pas mon enquête. Pour l'instant, gros... Ton travail, ton enquête, c'est de la merde. Et je lui ai dit, et moi je ne l'ai pas insulté, je lui ai dit que c'était un opportuniste qui s'est servi de la vente OM pour faire son buzz parce que sa carrière de journaliste, de pseudo-journaliste, était en berne et qu'il était juste bon à passer chez Hanouna. Il a dit, non, c'est pas vrai, je ne vais pas chez TPMP. J'ai mis une capture d'écran de lui et Hanouna. Fin du débat, il m'a dit, non, mais ça n'a rien à voir, ça, c'est pas TPMP. J'ai dit, on s'en fout, TPMP, tu étais dans une émission de chez Hanouna. Point à la ligne. Mais il a toujours réponse à tout. Et quand tu lui demandes des explications, il te dit, bah, t'as qu'à voir mes vidéos, t'as qu'à voir mes vidéos. En fait, il sait répondre que comme ça. Il est très culotté, il est très hautain. Il se fait passer pour, comme je dis, le gendre idéal. Mais en fait, je pense que c'est un imposteur. Et il sait manier, hein, il sait manipuler. Malheureusement, il manipule peut-être des gens un peu plus crédules. Je lui ai dit, hein, je ne parlais pas pour moi, j'ai dit, on n'est pas tous naïfs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas, j'ai fait, crois pas. On va pas tous plonger dans ton truc. Ça fait 2 ans maintenant, écoute, ouais, mais t'as vu les mercatos de l'OM et tout? J'ai vu quoi? J'ai vu qu'on a dépensé 55 millions mais qu'on a vendu pour 31 millions. Donc t'as dépensé quoi? 20 millions d'euros pour un mercato d'hiver? T'allais rentrer de l'argent à la Ligue des Champions, de quoi tu me parles? Mais ils croient qu'en fait on est idiot et que nous aussi on connaît pas le foot ou les gestions de clubs, etc. Je lui ai dit qu'il avait jamais annoncé une seule rumeur mercato fiable. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, ah ouais, et en 2015, qui a annoncé 2 jours avant, 48 heures avant tout le monde, que Laurent Blanc allait jouer contre City en Ligue des Champions avec 3 défenseurs? Le seul! Ah, bravo! Tu as annoncé 2 jours avant tout le monde que Laurent Blanc allait jouer en 3-5-2. Tu as dû voir une préparation à l'entraînement, tu sais, une mise au, comment on dit, une mise au vert, et que tu appelles ça comme tu veux, tu sais, une mise en place, quoi. Mais c'est tout ce que tu as annoncé, gros. Tu as annoncé une compo. Waouh, bravo, quoi. Combien de fois, moi, je l'ai fait, ça? Combien de fois je l'ai fait? T'as annoncé une compo. Ce qu'il n'a pas plu, je crois, c'est quand j'ai dit n'est pas Mohamed Bouafsi qui veut. Ah, ça, il n'aime pas ça. Donc, tu vois, Thibaut Vézirien, pour moi, c'est quelqu'un de pas fiable. C'est un imposteur qui ne supporte pas quand on n'est pas d'accord avec lui. Et voilà, je lui ai dit, t'es juste bon à faire des TikTok, à placer tes produits avec tes nouveaux partenariats parce que avant le sujet vente OM, tu devenais inexistant. Personne s'occupait de toi. Ton nom, c'était juste un nom de mec sur l'équipe ou juste bon à passer chez Hanouna, quoi. Donc, d'ailleurs, tiens, j'envoie un message à Hanouna. Si un jour, Hanouna, tu as envie d'avoir quelqu'un qui n'a pas de langue de bois et sur ton plateau, tu m'invites et je dirai les choses aux gens comme je les pense. Hein, parce que pour inviter des influenceuses, des pseudo-influenceuses de merde, là, il y a du monde. Mais quand il faut inviter des gens qui balancent des vérités, voilà. Enfin, ça dépend de la vérité, ça va, ça dépend dans quel sens elle va. Mais alors, moi, je dénonce toutes ces conneries-là, d'influenceuses et tout. Là, c'est de la TV de merde, ça, enfin, la TV, là, je parle de la télé en général, la télé de merde. Et Vézirian, en fait, c'était un chroniqueur chez Hanouna qui débriefait l'actualité des réseaux sociaux. T'imagines un peu? T'imagines un petit peu sa chronique. Alors, qu'est-ce qui se dit en ce moment sur Twitter? Pouah, tout le monde s'en branle, frérot. Tout le monde s'en branle, puisque Twitter,
C'est un réseau de merde, c'est le tribunal d'Internet, Twitter. Tout le monde a raison, tout le monde. Alors, toujours caché derrière un pseudo, une fausse photo, tu le sais, hein, tu le sais. Mais le mec, il analysait les réseaux sociaux, quoi. Voilà où il en était. Carrière sportive, journée sportive, à la cave. À la cave. Voilà, quoi. Donc, il y aura une vidéo où j'expliquerai mon échange avec Vézirian et que j'ai pas aimé ses propos. Voilà. Des insultes, de prendre de haut. Pas une belle personne. Si dans 6 mois, un an, l'OM est vendu à des Saoudiens, il va dire, ah, tu vois, je te l'avais dit, je vous l'avais tous dit. Ouais, forcément, je peux annoncer moi maintenant que l'OM va être racheté. Si l'OM est racheté dans 10 ans, je vous avais vu, oh, je vous l'ai dit aussi. J'ai demandé où était KHC, parce qu'il avait annoncé que c'était KHC qui rachetait l'OM. Il me dit, bah, suis mes vidéos. Pas de réponse, quoi. Où sont les Saoudiens? Où est Al-Walid Ben Talal? Il est où? Pas de réponse. Merci, Parisien Suisse. Merci à toi. Et il y a trop de gens qui lui donnent du crédit, c'est fou. Je ne comprends pas, en fait, de donner autant de crédit à un type qui, à la base, n'oubliez pas quand même. Et ça aussi, il a dit que ce n'était pas vrai. J'ai remis, j'ai mis, bon, parce que je les ai, le tweet où il insultait l'OM. Thibaut Vézurien insultait sur Twitter les Marseillais de trompette et de fiottes. Ça remonte certes à 2010, mais c'est un Parisien, là-bas, c'est un supporter du PSG. Quand j'ai mis ça sous le nez, non, mais ça, c'est pas vrai. J'ai démenti ses tweets et tout, alors que c'était son compte à lui, quoi. Et franchement, c'est lamentable. C'est lamentable, en fait. Le mec, il assume rien. C'est de la manipulation à un très haut niveau, mais en plus en repoussant les limites du culot. Je trouve ça vraiment minable. Minable. Donc, un mec qui insultait l'OM, ce que je peux comprendre, les supporters du PSG, qui après s'affiche avec des t-shirts d'OM ou le maillot de 93 derrière, quand il le met derrière chez lui, comme ça, là, tu sais, qui le pend comme je fais moi, c'est de putain d'hypocrisie et de racolage de ça, mais d'une force. C'est un racoleur, mais d'une force. Je ne comprends pas, je me donne du crédit. Imaginez que c'était Dugarry ou Pierre Ménès qui avaient parlé de la vente OM. Tout le monde les aurait insultés, les deux, parce qu'on sait que Pierre Ménès et Dugarry n'aiment pas l'OM, ouvertement. Mais là, c'est lui, Thibaut Vézurien, il est gentil, il sourit, il répond à tout le monde. Il balade tout le monde surtout. Il balade tout le monde. Si dans 6 mois, on m'annonce que l'OM est racheté par les Saoudiens et notamment KHC, ce n'est pas pour autant que j'irai m'excuser. Parce que là, ça fera 2 ans et demi, presque 3 ans qu'il a annoncé. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc, mais ça m'étonnerait quand même. Enfin, voilà, les gars. Être au moins un petit peu au courant de l'histoire. Euh, 50 minutes de vidéo, les gars, on va s'arrêter là. Vous êtes encore 155, ça me touche énormément. On était à un moment plus de 200, c'est énorme. Je remercie donc les modérateurs, Amadou, Allez l'OM Marseille. Je vous remercie tous dans le chat. Donc c'est moi qui vous applaudis parce que voilà, la chaîne, elle vit aussi, c'est grâce à vous, parce que j'étais tout seul à parler, il n'y aurait pas de chaîne, ça n'aurait aucun intérêt, et on m'aurait déjà interné, je pense. Donc merci à vous, c'était sympa encore de faire ce live avec vous, de lire vos commentaires, qu'il y ait de l'échange un petit peu. Et puis on se dit bah, à la prochaine vidéo, il faut vraiment que je m'y mette à faire la troisième partie de Pelé. J'ai très peu de temps, je me suis lancé dans un truc là, première, deuxième partie, mais c'est tellement, voilà, je voulais tellement rentrer dans le détail que je me mets moi-même des contraintes. Mais je la ferai, mais même pour moi, je veux voir la suite, quoi, parce que j'ai pas encore lu la suite, tu vois. Donc pour ma culture personnelle aussi, quoi. Prochain match, est-ce que quelqu'un peut me donner le calendrier, s'il vous plaît, des prochains matchs? Merci Karim, serait gentil. Non, non, je ne suis pas le meilleur. Il y a meilleur que moi. Moi, je suis juste un supporter qui fait des vidéos. Hein. Je suis pas, voilà. Je suis pas meilleur qu'un autre. Prochain match contre Clermont. À Clermont, j'imagine. Hein, c'est ça, à Clermont. Dimanche à 15h, d'accord. Dimanche à 15h. Ok. Ben, merci pour l'info. À 15h, ouais, ok. C'est bien. Juste avant l'heure du goûter, tu vois, ben on pourra faire un live juste après, ou je ferai une vidéo ou un live, ça dépend, enfin, tu vois. Les joueurs là ont besoin de se reposer, grosse journée de récupération pour eux demain, parce qu'il y a eu des efforts musculaires et intenses, on peut parler de ça aussi.
Pirate de Provence, bonne nuit à toi, Parisien Suisse, la bise chez toi. J'imagine que de par ton pseudo, tu dois être en Suisse, donc la bise chez toi, et j'espère que t'as pas trop froid, qu'il n'y a pas trop de neige là-bas. Voilà. J'en étais où? Oui, la fatigue musculaire, ce genre de match où tu redoubles d'efforts, où tu vas puiser dans les réserves, où tu fais travailler énormément tes muscles à intensité en alternative. C'est-à-dire, tu fais un gros effort, tu arrêtes, tu recommences gros effort, tu vois ce que je veux dire? Ou sur des phases longues de 10-15 minutes où on poussait, où on avait la possession. Bon, les muscles, ils mangent, hein. Je peux vous dire qu'au niveau organisme, tu ramasses. Donc demain, je pense qu'il y a une grosse, grosse journée de récupération pour eux, pour les joueurs. Massage, kiné, tranquille, hein, récupération. Et je pense que jeudi reprendront tranquillement, vendredi, pardon, vendredi reprendront tranquillement l'entraînement avec un peu d'exercice, un vélo, tapis, un peu de muscu, tout ça. Samedi, toucheront le ballon et dimanche, il y a le match. Mais demain, ouais, il y a une grosse séance, je pense, de récupération parce que je pense que voilà, vraiment, là, au niveau des muscles, ça a morflé. Il a vraiment dit ça? Bon, il peut pas avoir dit ça, qu'on a volé le match. C'est pas objectif du tout. S'il a dit vraiment, c'est pas objectif. Mais je pense pas qu'il ait dit ça. Enfin, je te dis, s'il a dit, c'est pas objectif. Alors, la main de Hakimi, ouais, il se retourne. Elle... Ouais, ça... Il aurait, voilà, j'ai pas crié au scandale si tu veux, parce que voilà, c'est en se retournant, c'est dans son dos, il peut pas faire exprès, son bras il traîne un peu, mais c'est pas, comment dire, voilà, j'ai pas crié au scandale pour ce penalty. Si ça se siffle, pas de problème parce que c'est une main. Dans l'autre sens, hein, je te dis un joueur de chez nous aurait été comme ça, et ici je t'aurais dit ouais, il y a même, il aurait pas sifflé, j'aurais pas dit qu'on aurait, voilà, qu'on méritait un penalty parce que pour moi voilà, est dans le dos, enfin c'est délicat les mains dans la surface, c'est vraiment délicat parce que tu le vois que c'est involontaire, voilà. Il colle pas le bras, c'est vrai, tu as raison, il colle pas le bras, mais c'est dans son dos, quoi. C'est dans son dos, c'est en se retournant, quoi, tu vois. Ça peut siffler, ouais, en effet, ça peut se siffler. Mais de toute façon, même sans ça, la victoire, elle est méritée, parce que même eux, normalement, ils n'ont pas corner. Sur leur but, il n'y a pas corner. Donc, voilà. Ouais, les gars, bon. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je remercie encore tout le monde, les modérateurs et vous-même. On se dit donc ben, à dimanche pour le débrief du match Clermont-OM avec, j'espère, une victoire pour repartir encore dans une bonne dynamique de victoire. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Encore félicitations à nos Olympiens. On est en quart de finale de Coupe de France. Tirage au sort demain. Pardon. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Et allez l'OM. Ciao, ciao.